coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Escape Simulator, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai eu un bug sur le nom, j'ai trop chaud. Il fait 30 degrés, les gars, sur PLS. En tout cas, on va continuer nos petites enquêtes pour essayer de s'échapper de nos petites pièces. C'est bien sympa pour l'instant, j'aime. Ouais, ça détend, ça permet de réfléchir un petit peu aussi. La chambre d'or. Alors. Putain, j'ai chaud, tu peux pas imaginer. Ici, non, ça. Il faut une clé. Boîte de haricots. Une cueilleur. Ça fait tourner. J'ai une pioche. Ouais. J'ai pas l'impression que ça sert pour quelque chose parce qu'il n'y a pas de petit symbole mis à côté. Un grand vase. Oh. Ah, peut-être la pioche. Attends, je l'ai fait tomber cet abruti. Tire, je suis débile. Ok. Je pensais qu'on pouvait se servir avec la pioche, mais je pense pas, sinon il y aurait un truc de mis dessus, non? Bah, dans le vase, il y avait ta fameuse. Donc on pouvait bien s'en servir, ok. Ouais, tu prends le vase et tu l'amènes jusqu'au mur pour l'éclater. Mais en fait, j'ai pas réussi parce que là, ce que j'avais fait, ça le tirait en fait, c'est tout. Hein? Ouais, bah c'est ça. En fait, tu le tires jusqu'au mur. Et t'as regardé le cahier de notes et tout là ou pas encore? Pas du tout. Ok, donc j'ai l'impression que ça fait un petit mélange pour faire une gamelle. Là, je sais pas quoi, non? Ouais. Boîte de rico, on s'en bat les steaks. La radio, on s'en bat les steaks. Du coup, l'artefact, il est important. La tête de bélier. Alors attends, je vais te dire ce qu'il y a dessus, si j'arrive à aller dessus. La tête de bélier, ouais. Il y a un hibou chouette, je sais pas quoi, puis une tête de bestiole. Encore. Ok. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai ouvert une boîte de conserve et j'ai trouvé un jeton. Comment t'as fait pour les ouvrir? J'ai fait examiner. Ah. Bah, du moins, elle était déjà ouverte, donc. Ah, tout ça, moi, je voyais pas de petits symboles à côté, donc j'ai pas pris, mais faut vraiment tout regarder, quoi. Ah ouais, c'est vraiment au millimètre près. Ah, faut pas être deux pour ouvrir ça. On peut essayer. On ouvre jusqu'où? Tout en bas. Ah. Faut s'appuyer ou non, c'est bon. Ah, faut mettre là-dedans les machins. C'est ça, ce qu'il y a sur la note. Donc, il y a la tête de bélier. Ok. Le truc qui était dans le vase, le hibou. Enfin, chouette. Sorte de tête de... C'est un animal, mais je sais pas, loup, un mélange de loup et de je sais pas trop quoi. Et une sorte de... je sais pas, un vase, tu vois, mais tu peux boire dedans. Enfin, tu peux boire dedans. Ça me fait penser à Pirates des Caraïbes, en fait. Là, j'ai des trucs qui sont entourés. Des trucs qui sont entourés, ouais. Genre, cap avec un trou, le corbeau. Là, j'ai le pied avec le hibou. Là, j'ai une sorte de soupe avec le lion. Est-ce que ça aurait pas... C'est pas une sorte de suite de là-dedans? Ah, c'est possible, ça. Alors, on avait dit... La cape... Avec le corbeau. Ouais. Je te l'ai dit, si tu veux. Ensuite, j'ai le pied. Le pied avec le hibou. Avec le hibou. Et, oh, excuse-moi, okay. On va dire une coupole avec le lion. Avec une coupelle, le lion. Une coupelle ou je sais pas quoi. Ouais. Ok. Bien. Ça nous donne une clé. Je te laisse la prendre. C'est gentil. Je pense que c'est la clé du coffre. Ouais, je pense aussi. Ah bah tiens, ça c'est un autre élément qui me manque. Ok. Ça va sûrement avec ça. Je vais prendre les rouges pour l'instant. Ah, je pense, ouais, calculer le nombre de couleurs qu'il y a. Ok, vas-y. Non, comment ça que compter le nombre de couleurs qu'il y a? T'as combien de rouges? Ah, dans ce sens-là, 3. Oula. Ok. Rose blanc, t'en as combien? De blanc? Ouais. 5. Ouais, et de bleu? 2. Pas mal. Ok. T'as mis dedans? Ouais, j'ai mis le truc. Ok. Et bien, il ne nous reste plus que ce coffre-là à ouvrir. Donc je pense qu'on peut reprendre la clé. Et tenter. L'insérer.
Pas mal, pas mal. Ah, non. Ça ne marche Ah, pas. ce serait trop beau. Bah oui. J'en peux rien faire avec. Ah, attends. Voilà. Quoi tu sers, toi? Ah. Bon bah c'est l'autre. Ah, tu les lances comment? Bah je fais comme toi, je les mets que j'ai les contre le mur. T'en as combien là? J'en avais 4. Ah ouais, ça, mais du coup c'était censé être là-dedans. Je comprends pas. Ah. Oh putain. J'ai récupéré un truc. Ouais, y'a une clé là. T'as récupéré une clé? Ouais, j'ai récupéré une clé. Ah bah voilà, tout simplement. Putain. Ah vas-y, bah, attends, vas-y, vas-y. Ah, ok. Quel boulet, je te jure. Cool. Yeah. Yes. Bah, 7 sur 8, hein, au niveau des tokens. Ah, bien. Alors... Qu'avons-nous là? Alors, cahier des notes. J'ai des crânes et tout. L'histoire de Monsieur Chameau le malchanceux. Quand le soleil est au zénith, Monsieur Chameau dans l'oasis boit pendant que Monsieur Scorpion se cache dans la pyramide. Mm-hmm. À mon avis, ça va être une suite de quêtes à mettre dans les objets, je pense. Fais un chapeau si tu veux. Quand le soleil se couche, Monsieur Chameau près de la pyramide dort et Monsieur Scorpion rôde dans l'oasis. Quand le soleil se lève, Monsieur Chameau dans les dunes de sable se fait piquer par Monsieur Scorpion. À mon avis, c'est ce qui lui est arrivé. Comme il est mort. Le squelette que j'ai défoncé? Oui, je pense. J'ai déjà examiné. Hein. Ah, ok. Là, je dirais que c'est la nuit. Donc la nuit, on a dit que le monsieur, le chameau, il bouge pas. Chelou. Les trucs en trop. Mm-hmm. Les bouts. Donc là, c'est la plume. Putain, j'ai chaud. Ah bah voilà. Mais comment t'as fait, putain? Ah, en gros, te mettre trois images. Ouais. Et faut deviner la quatrième. En fouillant sur les pyramides sur les côtés. Ok, bon, en fait, je pensais qu'il fallait céder des pyramides pour trouver les dernières, quoi. Enfin, c'était des tourner les pyramides pour avoir la dernière combinaison pour pouvoir ouvrir le bordel, tu vois. Ouais, j'étais je pas. Vois. Alors là, par contre, ça... Ah, c'est un ordre de passage. Je sais rien. Homme, chien, corbeau... Ah, j'ai pas regardé. Homme, chien... oiseau, homme corbeau et homme chien. Non. Ah non. Non. L'homme corbeau, il est là. Ah, c'est l'homme corbeau, ensuite corbeau. Oui. Ah, et après c'est l'homme chien. Ouais. Je pense. Ouais, c'est ça. On avait point vu. Bon, maintenant faut mettre là-dedans. Ok. Ah, c'est en fonction du poids, non? Je pense que c'est la couleur. Ah, je pensais le poids, moi. Et là, ça devrait être bon. Mais c'était la couleur. Ouais, je pense. Et ça, on met au centre. Oula.
enlever les nanos. Alors. Ah! Je sais pas du tout. Bah, c'est bon là. Le petit chemin. C'est pas du tout. Mal, là. J'essaie de faire. Ah, t'as un bout là qui est. Ah, celui-là qui est pas bon du tout. Donc là, c'est ceci. Si ça, je remets. Comme ceci. Ça me fait penser à un truc dans Tomb Raider, ça. Mon version géant. C'est ça. Yeah. Oh. Pas mal, pas cool. Mal. C'est et pas bah, parfait. Mal. Et bah j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, à commenter, ça fera super plaisir. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.